Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Marvin explique sa rencontre avec le coach à Paris. Apparemment, ils n'ont pas fait que parler. Il réagit aussi à la story de Sadek. Je vous laisse avec la vidéo. Famille, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous actualiser sur l'altercation que j'ai eue avec H. Pour toutes les personnes qui me suivent, les personnes qui suivent H, vous êtes au courant un petit peu de l'histoire qui s'est passée. Voilà, avec H, on s'est vu sur Paris. Il s'est passé ce qui s'est passé. Croyez-moi qu'on n'a pas parlé. J'en suis pas fier. Hein. J'en suis pas fier. Je dis juste que voilà, il y a certaines choses qui devaient se passer, qui se sont passées, qui vont se passer encore. Cette fois-ci, je l'espère publiquement, dans un cadre bien structuré, bien sécurisé. Ça serait pas mal. En tout cas, voilà. Je me devais de vous faire un petit point, un petit brief, parce que j'ai reçu énormément de messages. Ouais, il s'est passé quoi? Ouais, tu t'es fait monter en l'air. Ouais. Voilà, soyez calme, soyez patient. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, notamment avec H. Je l'espère. On va essayer de tirer profit de cette situation et montrer quelque chose de positif, même dans le négatif. On va essayer de prendre quelque chose de positif. Donc restez. Je vous dis tirer profit de cette situation, c'est tout simplement parce que l'altercation, l'embrouille a eu lieu en public, mais le règlement a eu lieu en privé. Et donc voilà, on va essayer de faire en sorte que de vous faire kiffer vous, nous faire kiffer nous. Et voilà, on est des sportifs et même si des fois on se prend un petit peu la tête, on va essayer de régler ça en mode sport, dans un beau cadre et donner une bonne image. C'est surtout ça le plus important, montrer que même si on se prend la tête et que des fois ça peut aller très loin, on peut aussi essayer de gérer les choses différemment et la finalité restera la même, mais avec plus de sécurité, on va dire. Donc voilà, pour toutes les personnes qui voulaient des renseignements, qui voulaient savoir ce qui s'est passé avec H, on s'est vu avec H, il s'est passé ce qui s'est passé et il se passera ce qui se passera. Restez connectés, il y a énormément de choses qui vont arriver à la famille. Voilà, je vous fais des gros bisous, passez un bon début de semaine, faites des sous, c'est plus important. Et tiens, aujourd'hui c'est lundi, début de semaine, je vais commencer à répondre à toutes vos questions. Pour les personnes qui m'ont dit « Ouais, tu réponds pas à ce qui s'est passé hier avec Sadek, avec ci, avec ça », moi personnellement, je me sens pas concerné. Parce que j'habite pas à Dubaï, ma carte d'identité est française, mon passeport est français et je n'ai aucune autre nationalité. Voilà, donc je me sens pas concerné quand on parle des influenceurs qui vivent à Dubaï, malgré que j'y sois allé bien avant tout cela. Moi j'y étais il y a 4-5 ans, on va pas raconter nos ifs, mais non, je me sens pas du tout concerné. Et puis je trouve ça dommage parce que vous allez ouvrir la porte à des meufs comme Mila qui vont bientôt faire du rap en fait. C'est ce qu'elles veulent. ça c'est réel. Et vous allez voir dans pas longtemps cette meuf elle va sortir un son et elle va taper des millions de vues. Astaghfirullah. En tout cas la famille, si j'ai appris une chose avec cette histoire, avec l'altercation que j'ai eue avec H, c'est que même si on a énormément de haine, on a envie de se rentrer dedans, tout ce que vous voulez. Il y a une chose qu'il faut pas faire, c'est insulter les mamans. Et ça, je l'ai appris avec H. Je l'ai appris avec H. Et c'est quelque chose que je pense qui va me servir longtemps, parce que vous me connaissez, moi, les embrouilles, ça fait un. Et c'est pas la première ni la dernière que je vais avoir. Mais j'ai compris qu'à un moment donné, il faut mettre de l'eau dans son vin et surtout qu'il faut garder le respect des parents. Et ça, c'est ultra important. C'est pas une question de schmetta ou de quoi que ce soit. C'est une question de bonhomme, justement. Ne pas insulter les parents, ne pas dévier. On peut être en embrouille avec quelqu'un, mais ne pas dévier chez les parents. Ça, c'est une sorte de faiblesse. Et ça, je l'ai appris avec H. J'ai faim, même manger, on peut pas. La tête de WAM, il y a tout qui est fermé ici. C'est un truc de fou, c'est une ville fantôme. Sur la vie de ma mère, c'est une ville fantôme. C'est une ville de décor. C'est Ghost Town ici. Et pour ceux qui veulent partir en week-end,